Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire cette introduction que tu vois ici. Donc, premièrement, je pars dans KineMaster Projet. Je pars choisir une image noire. Ici, je vais valider. Je mets le temps à 7 secondes. Ensuite, je viens au niveau de l'AE. Je prends l'image de G-Ball. L'image là est en PNG, donc je vais la rogner pour avoir juste mon cercle. Ensuite, je prends une animation. Donc, je vais utiliser Jita. Voilà, Jita qui est là. Ça, c'est bon. Je vais valider. Ensuite, je pars l'AE. Je prends cette fois-ci l'image de là où s'écrit Gorkobal. L'image là également est au format PNG, c'est-à-dire il n'a pas de fond. Je vais très bien le positionner. Ensuite, une animation, je vais prendre Entrée Slide Down. Attendez. Ok, celui-là, Entrée Slide Down. Voyez là le texte qui quitte du haut et descend vers le bas. Donc, je vais dupliquer mon G-Ball, c'est-à-dire le cercle qui est en train de sursauter. Je vais le dupliquer, le positionner. Ok, comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais prendre une animation. Je vais donner une nouvelle animation à celui que j'ai dupliqué. Je vais prendre Fontaine. Ok, celui-là. Vous voyez ce que ça fait comme effet. Je vais valider ça. Ensuite, je vais le positionner très bien. Je vais dupliquer également celui-là. Attendez. Je vais réduire un peu sa taille. Je crois là, c'est pas mal. Je vais le dupliquer et le positionner. Ok, ici c'est pas mal, je crois. Cette fois-ci, je donne une animation Compte Clock. Ok, celui-là, Compte Clock. C'est-à-dire sens d'une montre. Les aiguilles d'une montre. Ensuite, je vais étirer ma piste, c'est-à-dire le texte Gorkobal. Je vais encore devoir dupliquer le G-Ball que j'ai mis ici. Je vais le dupliquer. Je vais le positionner très bien, c'est-à-dire un peu en arrière pour l'étirer. Donc, le dernier G-Ball que j'ai dupliqué, je vais enlever l'animation que j'ai mis. Au niveau d'ici, Oval Animation. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, une fois dupliqué, je vais cette fois-ci annuler l'animation qui est là-dessus. Laissez-moi en commentaire vos avis sur cette introduction. Donc là, je vais le positionner un peu. Ok, voilà. Comme ça, je vais annuler l'animation. Ici, je vais mettre sur None, c'est-à-dire aucun. En vous abonnant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc, au niveau de Gorkobal ici, je vais mettre cette fois-ci Scale Up comme animation de sortie. Maintenant, je vais faire une petite lecture. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Je fais également d'autres vidéos sur d'autres applications de montage.
Laissez-moi en commentaire votre avis. Abonnez-vous sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Merci.